Là, ce qu'on vit en ce moment, c'est plutôt compliqué. On est loin de nos familles. On fait que courir de partout, des allers-retours. C'est vraiment dur. On dort pas beaucoup, on mange pas une tonne. Là, par exemple, on est en train de tirer là actuellement. On apprend à rentrer dans des maisons. Ça arrête jamais en fait. C'est dur physiquement, certes, mais c'est surtout très très dur mentalement. Je peux vous dire que je sais très bien ce qu'ils ont besoin. Moi, particulièrement, j'étais aussi dans les commandos. Je sais que j'ai fait l'armée. Je connais les difficultés quand ils sont en tir au nout, quand ils sont dans les exercices. On a souvent envie d'arrêter, mais on s'accroche. Ils sont loin de la maison, c'est pas évident. Il y a un vrai besoin essentiel. C'est un plaisir à chaque fois de voir ToraBox venir nous soutenir, nous amener des rabanim. C'est vraiment un plus qui est pour moi indispensable à l'armée, surtout dans la période des tirs au nout. Quand on voit une voiture blanche arriver et qu'on sait qu'il y a des raves à l'intérieur, on est content de nous. C'est déjà beaucoup la vérité. Un moment où on va kiffer, on va avoir un petit show avec les rabanim. Ils vont nous rebooster, ils vont nous donner de la force pour continuer. C'est super important pour nous. C'est quelque chose qu'on a besoin, même si vous venez avec ou sans rien, genre ça fait quelque chose. C'est pour ça que déjà depuis plusieurs années, on essaie de rentrer dans toutes ces bases pour essayer d'apporter ce confort, de renforcer nos khayalim, nos soldats, de leur apporter des vraies Torah, de la Torah, des encouragements, avec bien sûr des friandises aussi, pas seulement de la Torah, mais aussi des friandises. Des titillotes, des kipotes, enfin mamache, c'est le fait d'être présent déjà dans des... Vous imaginez un peu tout ce qui se passe ici derrière moi, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils jamais ils auraient imaginé de voir un rav venir les rencontrer ici alors qu'on est à des kilomètres de Jérusalem, des centaines de kilomètres. Donc Baruch HaShem, merci ToraBox. On voit pas beaucoup de monde sur le terrain, mais on se dit il y a des gens qui pensent à nous. Ça veut dire on n'est pas tout seul ici. Et ça fait plaisir, on aimerait que ça continue. Vraiment, c'est la fête, c'est Hanouka. On a le ressenti de la maison. Et Bezrat Hashem que ça soit comme ça tous les ans et pour toutes les fêtes. On a reçu ça. Derrière, il y a plein de trucs qu'on a mangé, c'est excellent. On a reçu des titillotes. Franchement, merci beaucoup ToraBox, c'est excellent. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Baruch adonai eloheinu melech haolam, sha'asa nisim la'avoteinu bayamim ahem, bazman hazeh.